fin du premier jour. Donc j'ai démarré à Trélières, passé par Nantes, La Chapelle avant, et donc là je suis arrivé, je sors de Vertoux. Tout est super bien indiqué de Trélières jusqu'à ici, Vertoux. Je commence à avoir une petite ampoule sur le pied gauche, donc je vais m'en occuper maintenant. C'est un fiacre. Voilà, j'ai fait tamponner mon crédential, premier tampon du crédential à Saint-Fiacre-sur-Maine. Un peu une galère quand même pour sortir de Saint-Fiacre, j'ai tourné un petit peu en rond. Là on aperçoit donc la Sèvre Nantaise qui est toute verte, qui est très jolie. Je vais direction Clisson. Et là j'arrive donc sur la... Derrière moi c'est la chapelle Saint-Jacques, qui apparemment a été refaite. Donc pour l'instant un peu plus dur que ce que je pensais. Ça m'a pris plus de temps d'arriver pour arriver jusqu'à Clisson à partir de Vertoux, de la sortie de Vertoux, donc depuis ce matin. Et je doute d'être à Montaigu ce soir pour y passer la nuit. Château de Clisson. Et voilà, donc là j'ai passé Clisson il y a un petit moment. Et là je sais pas où je suis, en direction de Saint-Hilaire de Loulay et ensuite Montaigu. Pour la première fois de ma vie, je porte des sandales. Bon, je suis à Montaigu et en fait la dame de l'information touristique de Clisson avait bien raison, c'est vraiment à côté de Saint-Hilaire de Loulay. Donc je suis allé faire mes courses, avant j'ai été, derrière moi c'est l'hôtel de ville, j'ai fait tamponner mon crédential et demander des infos, donc je suis passé à Leclerc, acheter du taboulé avec un petit peu de mars, des carottes. Oui, j'avais oublié de dire en fait que mon sac faisait 17 kg quand je suis parti de la maison, là j'avais des provisions, j'ai changé donc... Ce qui est aussi intéressant, c'est que cette marque-là, Shiroka, c'est espagnol. Et la première bouffe que j'ai achetée pour me préparer au Saint-Jacques, au chemin de Saint-Jacques, c'est en fait acheter du saucisson qui vient d'Espagne. Étonnant. Donc là, je vais essayer de trouver la sortie de Montaigu. Un peu déçu aujourd'hui quand même, parce que je ne suis pas parvenu à Saint-Fulgent. C'est un peu loin quand même. Donc il doit me rester encore 3-4 km à faire avant d'y arriver. Donc j'ai trouvé ce petit coin sympathique pour passer la nuit. La tente qui essaie de sécher un petit peu avant que je puisse mettre le toit. Et manger une petite carotte. Les pieds ça va, un peu crade, mais ça sèche un petit peu. C'est là où j'ai la plupart du temps des ampoules. Donc là j'ai mis mon pansement, je sais pas trop comment c'est en dessous. J'ai un peu peur de l'enlever. Je repasserai en chaussures probablement demain, mais elles sont pas encore complètement sèches. Donc je vais voir, je vais peut-être rester sur les sandales, elles sont très bien. On n'entend pas là, mais il y avait un épervier qui passait, qui tournait autour. Et une chouette qui doit être dans le coin aussi. Donc, je sors juste de Saint-Fulgent, qui se trouve un peu par là-bas. Je me suis arrêté un peu plus loin aussi pour manger un petit peu, mais je savais pas qu'il y avait cet endroit aussi sympathique. Avec un petit plan d'eau vert. Ça c'est mon petit bâton de marche que j'ai fait hier, un grand bâton de marche qui aide pas mal. Donc ça c'est le genre de route qui est chiante. Là en fait je suis sur de l'asphalte depuis pratiquement le début de la journée. Ouais, mais là un petit peu de sentier battu. Voilà, juste pour dire que ce qui est très important c'est de suivre correctement les balises, d'ouvrir les yeux. Je viens de faire une boulette, donc la dernière balise que je viens de filmer, elle m'a amené par là-bas. Donc en fait moi comme un con j'ai pris par le champ là, avec des herbes hautes bien mouillées, donc je suis allé jusqu'au bout là-bas, je sais ne rien trouver. Parce que j'ai pas regardé la balise qui était là. Faut aller de ce côté là. Je suis dans un verger, et ouais. J'arrive pas à trouver l'endroit pour mettre ma tente, il est assez tard, le soleil est déjà tombé, il va faire nuit dans très peu de temps, c'était une grosse journée. J'ai trouvé ce petit coin, donc je vais pouvoir mettre ma tente juste là. I am starting today when the sun is rising. So it was a bit of a cold night. I think my blisters are going to be pain in the ass today. I put my shoes on, not the sandals. It's quite moist, a lot of moisture in the tent. I'm not sure it's going to get any better. We'll see how today is going to be. Pause, petit déjeuner. Oh, je fais sécher la tente là. Donc je suis passé à quelque chose qui s'appelle la barre, je crois. Et en fait, c'est une ferme tenue par une dame qui s'appelle Madame Blanche, enfin et son fils. Et la dame s'occupe d'accueillir des pèlerins. Donc j'ai fait tamponner mon crédential là-bas. Et là, c'était en fait à Saint-Laurent-de-la-Salle. Et là, je vais direction sur l'Autise. Les ampoules, là, faut que je les éclate encore parce que je les sens dans les pieds. Là, je viens de trouver donc ce stade. Je m'attendais à avoir un peu d'eau pour pouvoir me laver un petit peu dans une douche ou quelque chose comme ça. Bon, tout est fermé.
Il y a juste un robinet à l'intérieur qui marche, le robinet à l'extérieur ne marche pas. Donc je vais me laver les pieds. Bon, je commence à avoir pas mal d'ampoules. Hein. Une, ça c'est pareil qu'hier, deux, trois. Celle-là revient chouïa. Celle-là elle est nouvelle. Et donc celle-là. Bon, ça fait vraiment des grosses journées de marche quand même. Je suis à probablement 5 km de Saint-Michel-le-Clou. Je ne parviendrai certainement pas à Niol sur l'Autiste ou Niol de l'Autiste, ou quelque chose comme ça avant la nuit. Les nuages commencent à venir, c'était une journée bien ensoleillée, du bitume, pas mal de forêt, donc c'était très joli. Alors là, je suis à Saint-Michel-le-Clou. Et j'ai rencontré en arrivant un homme qui s'appelle Norbert Agneau, je crois. Et donc il m'a invité à prendre un pot, à boire un petit coup. Sa femme a donné à manger, j'ai pu prendre une douche. Et donc en fait je vais dormir dans ce petit parc qui est à l'intérieur, qui est vraiment au centre du bourg. C'est un petit patelin de 1300 habitants, c'est vraiment très joli, c'est très sympathique. Donc je devrais pouvoir passer une assez bonne nuit, j'ai pu me percer mes ampoules sans trop de problèmes. Je suis propre, donc c'est nickel. Là je suis à Niol sur l'Autise. Donc j'ai été à la pharmacie. Bon, il a fallu d'abord que j'aille à l'abbaye. Je me suis fait tamponner mon crédential. Bien, c'est un joli petit coin. Je suis allé à la pharmacie pour acheter ça. Aquiline Noc. Et donc ça me permet de faire gaffe à mes ampoules. Aussi un petit peu de solution antiseptique pour aussi les ampoules bien entendu. Et puis qu'est-ce que j'ai pris encore? Ah oui, des pansements pour les ampoules, encore une fois. Et voilà, donc là je suis devant l'abbaye de Maizet. Et autrement, j'ai vu une borne juste après Niol sur l'Autise qui disait 1085 km pour aller jusqu'à Saint-Jacques. Donc 1085 km, ça fait comme une grosse différence par rapport aux 1495 que j'avais vu à Saint-Fiacre. Et j'ai pas fait 410 bornes en 3-4 jours. Bon, là je suis un peu plus fixé. Je suis à Maillet là, regardez. Voilà, 1437 et Fisterra 1555. Donc j'ai encore de la route. Ok, donc assez grosse journée de marche. Et là, l'église qui est derrière moi, c'est en fait Saint-Hilaire-la-Palue. Et donc, je me suis fait plus d'une étape en une journée. Donc là, je suis bien content. Je vais mettre ma tente dans ce hangar ou cette grange. J'ai voulu demander au propriétaire, mais il n'est pas là. Donc son voisin m'a dit, bon, écoute, allez-y. Et ce voisin-là m'a donné des tomates. Les ampoules se calment, donc ça c'est très bien. Les pieds, ouais, il n'y a pas de lézard. Les chaussures, je suis très content des chaussures. Je me demande si les distances par rapport aux panneaux qu'ils indiquent et puis Compostelle, là, comme 1436 km, je pense pas que ce soit vraiment vrai, parce que sinon c'est-à-dire que j'avance pas. Bon, mais malgré que ce soit pas toujours facile de se lever, même si je dors pas énormément, que je me réveille assez souvent la nuit, je pars avec, avant le lever du soleil, je vais d'abord aller aux toilettes et me brosser les dents dans le centre-ville. Mais c'est dur, franchement, des fois je me demande qu'est-ce que je suis en train de faire. Pourquoi est-ce que je marche autant? C'est pas joyeux à tous les moments, puis je me sens quand même un peu seul. La Charente-Maritime, bienvenue. Alors maintenant, normalement je devrais passer par là. Eh bien, je suis à Surgères, donc je suis arrivé à Surgères, la mairie qui est juste derrière moi, et en fait dans l'enceinte du château. C'est vraiment très très sympa en fait comme centre-ville, très joli, médiéval et bien entretenu. J'ai fait tamponner mon crédential à la mairie qui est ouvert à 1h30. J'ai mangé un bon taboulé, été faire mes courses à Leclerc. J'ai paumé la balise, donc là je vais probablement retourner sur l'office du tourisme et je vais remplir mes gourdes d'eau. La marche ce matin a été comme assez longue, mais bon, ça reste du classique, on va dire. Pas mal de routes. Je vais essayer d'arriver à Saint-Jean-d'Angély pendant la nuit, arriver marcher de nuit. Je me plains un petit peu des endroits par lesquels nous font passer, routes bitumées ou alors des champs et des hautes herbes comme aujourd'hui, qui fait quand même un assez bon détour, et puis du balisage pas top comme aujourd'hui, je me suis perdu une fois. J'ai demandé à quelqu'un et du coup j'ai pu retrouver une balise qui m'a amené jusqu'ici pour l'instant. C'est au sommet d'une colline, je me suis dit pourquoi ils nous font passer au sommet d'une colline. Disons que la vue est quand même pas mal. Je suis à Saint-Jean-d'Angély, l'abbaye ou l'église est juste derrière moi là. Je vais mettre ma tente ici, juste à côté des containers à poubelle, j'en ai rien à foutre. J'ai essayé de demander où était le curé, personne ne sait. Bon voilà, je suis dans la première cour de l'abbaye.
je valide donc un deuxième cours. Donc à Saint-Jean-d'Angély, j'ai pu avoir in extremis hier quand je suis arrivé assez tard, un logement chez Hugues et Emmanuel. Donc j'ai pu me laver, j'ai pu j'ai pu manger un petit peu. C'était vraiment quand même très sympa de leur part. Et donc là je viens juste d'avoir des renseignements à l'office du tourisme pour avoir les logements et tout dans ce qui va suivre. Là je suis en train de lambiner, il est pratiquement 11h et il faudrait que je sois à Sainte avant la nuit. Très jolie petite église là-bas. Eh bien, je suis à Le Douai avec de l'architecture romane et aussi à m'occuper de mes ampoules. Et voilà, je suis arrivé à Sainte. Et on voit la cathédrale Saint-Pierre juste derrière moi. Je vais voir où est-ce que je peux faire tamponner mon crédential et puis trouver une place pour passer la nuit dans un parc ou des choses comme ça. La municipalité de Saint-Léger a fait juste ce petit abri pour les pèlerins de Compostelle, comme on peut le voir juste derrière. Et c'est vraiment sympa, donc je vais juste prendre un mars et puis je repars. Je suis à 5 km de Ponce. Et bien voilà, je suis à Pont, donc je suis en train de faire sécher mes affaires, grignoter un petit coup, faire sécher mes pieds, s'occuper des ampoules. Et là, c'est l'ancien hôpital des pèlerins de Pont, donc c'est un lieu historique. Je ne sais pas si vous voyez les nuages, j'ai l'impression qu'il va commencer à flotter un petit peu. Et les belles bornes du Poitou-Charente, donc c'est celle-ci avec le joli coquillage. Ah, donc je quitte la Charente-Maritime et je suis dans le département de la Gironde. Donc là, en fait, je viens aussi de rencontrer une Anglaise qui accueille normalement des pèlerins et en fait, elle m'a conseillé de prendre la voie landaise, donc en fait, qui est sur la côte. Donc depuis Bordeaux, je vais probablement prendre un TER vers Biganos. La citadelle de Blaye. Et voilà, je suis sur le bac, direction de l'autre côté, donc de Blaye jusqu'à la Marque. Enfin, j'arrive à la Marque et j'ai marché les 8-9 km pour arriver jusqu'à Margaux. Je vais planter ma tente ici ce soir parce que le terrain de foot est fermé, donc ce qui m'emmerde un petit peu. Ma cheville est quand même enflée et puis mon fessier droit me fait un petit peu mal quand même. Donc ça va être bien de se reposer cette nuit. Je vais aller voir si je veux pas recharger mon téléphone ou un petit peu de batterie parce que ma batterie solaire apparemment est morte. Enfin, elle semblerait avoir un problème. Donc faut que je rectifie ça. Demain, j'aimerais arriver à Bordeaux et puis prendre le TER jusqu'à Biganos. Bon, alors je viens juste de finir de manger. Mais ce qui était beaucoup mieux, c'est qu'avant, j'ai été demandé juste là dans la salle de sport si je pouvais brancher mon téléphone et puis recharger ma batterie solaire. Et donc les dames m'ont dit « Oh, il n'y a pas de problème, on s'en va à 8h, prenez donc une douche. » Oh, génial, donc j'ai pris une douche, je me sens tout propre. Et ils m'ont aussi conseillé d'aller plutôt dans le coin là-bas, là où c'est sombre, plutôt que de mettre ma tente là où je pensais la mettre. Il pleut, je suis pas super content. Je suis dans les bois, il pleut beaucoup moins, en fait il pleut quasiment pas. Je mangeais un tout petit bout là dans la cabane de chasseurs qui se trouve là. J'ai vu une biche. Eh ouais, je suis à Bordeaux. Donc Bordeaux, eh bien je suis arrivé avant 5h comme je l'avais demandé, enfin comme j'avais prédit. En sortant d'une forêt, j'ai croisé donc Rémi et Patricia qui marchaient, qui se promenaient et qui m'ont invité à bouffer chez eux. Donc j'ai eu un bon repas. Rémi m'a filé 20€ en me ramenant sur le chemin. Donc vraiment sympa. Ils habitent à Le Taillan, pour que je m'en souvienne. Donc on m'a conseillé de venir voir le port de Biganos, c'est pas mal, enfin, c'est joli, je m'attendais un peu à mieux. Et donc j'ai passé la nuit sous le préau du marché, donc à Biganos à côté de la mairie, et puis il y avait aussi l'office du tourisme, donc j'ai pu avoir accès à internet. Voilà, donc les avions de l'armée, deux là, un autre là-bas, voilà. Bon, ça fait un bail, ça fait des kilomètres que je marche sur des pistes sableuses au milieu des Landes. Là, je dois continuer par là-bas, encore. À toujours à suivre ces bornes-là. Je devrais arriver à Sanguinet au bout d'un... Enfin, à un moment donné, parce que c'est la piste de Sanguinet, mais je commence à court de bouffe, juste un paquet de cacahuètes, et puis juste pas des masses d'eau. Et j'ai pas vu une maison depuis des kilomètres. Donc je suis à Sanguinet. Je viens d'aller à l'office du tourisme, j'ai de super infos. J'ai été faire mes courses, mon sac est blindé de nourriture et d'eau. Donc je vais passer la nuit dans la forêt ce soir. Je suis arrivé à Saint-Paul-en-Born, qui n'est qu'à à peu près 18-20 km de... c'est pas Sanguinet, c'est Parentis-en-Born. Et donc je suis dans un gîte pèlerin. Et voilà,
logis de pèlerin est vraiment charmant. Donc ça marche sous forme de donation. Il n'y a que deux lits, il y a deux femmes allemandes, une mère et sa fille qui devraient arriver, que j'ai croisées sur la route. J'ai un matelas que je vais mettre probablement dans la cuisine pour cette nuit. Je partirai relativement tôt demain matin. En regardant sur la carte, donc en fait moi on est là, il faut que je passe sur Mimizan et j'aimerais descendre au sud le plus possible pour pouvoir passer la nuit dans un endroit un peu sec. Borne des 1000 km, je suis à Mimizan. Donc ça c'est le prieuré Sainte-Marie. Du 13e siècle et qui est apparemment du patrimoine mondial, l'UNESCO et tout ça. Donc là après je vais continuer sud sur l'IMX, ce sera ma destination de ce soir. Ça va être chiant là. Je suis pas sûr de comprendre. J'ai dû passer l'IMX plus loin par là-bas. Je pensais pas que j'y arriverais aussi vite parce que j'arrive pas à regarder sur les cartes pour voir où je suis. Mais apparemment donc là le cours d'eau qui est là, c'est celui qui est après l'IMX et qui s'en va sur Vielle-Saint-Giron. Et Vielle-Saint-Giron, je pensais pas y arriver aujourd'hui. Donc en fait, je vais continuer. Si je peux arriver à Vielle-Saint-Giron, c'est parfait. Je passe la nuit là-bas et puis après je continue. Et demain, je serai pas loin de Cap-Breton normalement. Donc toi, c'est... Eh ben non, je suis à l'IMX now. Enfin, je prends le temps de filmer ça. Voilà, ça. Ce sont des baies qui sont comestibles. Et elles sont, voilà, on peut les prendre à ce moment de l'année, donc c'est très bien, c'est les mois d'octobre. Si on en prend trop, ça donne la chiasse. Je crois que je viens d'arriver dans un nouveau département ou une nouvelle région parce que le balisage vient de changer. C'est ça maintenant, c'est vraiment sympa en fait, c'est plein de petites coquilles Saint-Jacques et puis donc les flèches de direction. Et non, je viens de dire une connerie parce que là je vois toujours la même balise. Non, j'ai probablement pas changé, mais ces balises là sont jolies. Regardez-moi donc cet endroit super mignon. J'aurais presque pu me mettre ma tente ici si c'était le soir. Petite ferme. Bon, quelques granges. Je suis presque tenté d'acheter ça. Enfin, ce serait sympa. J'arrive de là. Je continue par là-bas. Il y a à peu près 1,5 km, je me suis arrêté finalement pour pouvoir demander de l'eau. Et en fait, la famille, qui est la famille Canel, je crois, m'a invité à finir de manger le dîner. Enfin, le repas du midi. Donc, j'ai pu manger un petit peu. Il y a de la glace aussi et de la tarte. C'était sympa. Ils habitent dans une maison qui ressemble beaucoup à ça, qui est un style landais apparemment. Et donc là, je suis apparemment à 10 km de Vieux Boucau, le petit étang de Moliette. Et je suis arrivé à Vieux Boucau comme prévu. Je vais manger maintenant, je viens de m'occuper un petit peu de mes pieds, mais je vais quand même les nettoyer un peu plus. La cheville gauche, il n'y a plus d'œdème apparemment. Je suis à Osgore, juste avant le Cap Breton, et je me retiens d'aller voir l'océan. C'est juste derrière ces dunes. J'ai pas pu résister. Donc je suis passé, et c'est une plage de naturistes, mais voilà l'océan. Je suis arrivé à Cap Breton, et juste devant un centre de vente de bateaux Beneteau, d'occasion et neuf. Regardez ce que je trouve, un petit signe de la Norvège. Regardez que ce type est joli, ça c'est l'église Sainte-Thérèse de Labenne. Donc c'est après Cap Breton. Donc j'ai passé Cap Breton, où j'ai rencontré en fait Jeff le Belge et son fils, qui marchaient depuis un mois avant moi et ils ont commencé au Mont-Saint-Michel. Ce qui fait qu'ils ont dû passer par Tralière aussi, probablement, ou contourner. Voilà, donc c'était à Leclerc et j'ai pu faire mes emplettes. Donc mon sac est quand même un peu plus lourd. Je vais pas aller plus loin parce qu'en fait ça c'est un camp militaire. Donc en fait ils font des exercices de tir et tout ça. Mais bon, j'ai couché de soleil juste derrière là-bas, cette espèce de dune. On voit un espèce de bunker aussi là-bas. Donc il y a la mer comme on peut l'entendre. Bayonne est juste là. C'est à peu près 5 km. Je passe la nuit juste à côté, là, à l'entrée du camp, à la fin du terrain militaire. Je crois bien que j'adore le soir, quand je suis tout seul dans ma tente. Tout est bien sorti, tout est impeccable, c'est confortable. Alors le matin, par contre, quand je me réveille, j'ai merde, faut la replier, faut tout ranger, faut tout. Et voilà, donc je suis devant la cathédrale de Bayonne. Et ça, c'est le cloître. C'est joli. Hein. Le centre-ville est pas trop vilain, hein. Enfin l'architecture est pas trop vilaine. Ils écrivent en basque aussi ici sur les panneaux. Voilà, donc ici il y a trois bornes, deux pour aller en face, donc c'est Roncevaux et voie de Bastan. Et moi je prends à droite pour aller sur la voie de la côte. Et là, voilà, donc je suis à Biarritz centre. Et j'en ai un peu chié quand même pour arriver jusque là parce que j'ai perdu les balises après la gare et à mon avis j'ai pris donc la mauvaise direction, mais je voulais aller au centre-ville de toute manière pour voir un peu comment c'était. Et il y a une artiste qui fait des châteaux de sable là. Donc voilà, Biarritz par là-bas, ça c'est ce qu'ils appellent le rocher de la Vierge.
et quand on s'en va de l'autre côté, vers le sud, voilà, côte espagnole là-bas. Alors là, je suis sur la voie du littoral, qui n'est pas en fait la voie de Compostelle. La voie de Compostelle passe un petit peu plus dans la ville de Bidart et un peu plus dans les terres. Donc du coup, ça me casse un peu les couilles de toujours paumer les balises depuis ce matin, enfin surtout à Biarritz. Donc en fait, là, je viens de voir à l'hôtel de ville, le gars m'a dit, bien écoutez, la voie du littoral, ça ne suit pas la voie de Compostelle, mais ça se rejoint à Irune de toute manière. Mais bon, là, je vais direction Saint-Jean-de-Luz. La voie du littoral s'allonge la côte, ça doit être plus joli, ça va peut-être m'entraîner un peu plus aussi pour l'Espagne, parce que ça va monter et ça descend. J'ai demandé de l'eau un peu plus haut en entrant à Bidart, et donc dans une maison, et la dame m'a donné un petit peu de pain et de la terrine gourmande, un produit local, donc c'est très très bien. Je suis à Saint-Jean-de-Luz finalement, et venu par la Nationale, et ça c'est l'église Saint-Jean-Baptiste où Louis XIV se serait marié. Maison Louis XIV, Saint-Jean-de-Luz qui s'éteint sur le couchant. Voilà, je plante ma tente ici pour la nuit. Là, j'ai un petit coin sympa d'herbe. Et c'est souvent en fait dans les journées les plus, enfin, un peu plus merdiques et qu'on a le plus de trucs à raconter. Mais bon, je vais m'abstenir cette fois. Là, on part direction Hendaye. C'est joli ça. Alors ça, c'est un blocos. Et ça, c'est assez joli aussi. Waouh, big big waves. Le symbole du Pays Basque, ça fait un peu svastika quand même. Mais c'est joli. Et voilà, arrivé sur Hendaye, et eh bien j'ai fait tomber mon crédential et là je vais m'en aller donc sur Irune, aller m'acheter un petit peu de bouffe à Intermarché. Je fais sécher la tente juste avant de passer donc la frontière et je vais me prendre un bon gros casse-dalle, donc une grosse baguette avec du chèvre et puis du chocolat. Et ouais, et donc je suis à une centaine de mètres du pont. Buenos días, España. Voilà, j'étais tout là-bas ce matin, donc Biarritz, et là-bas c'est Hendaye. Et donc là je grimpe. Je suis sur le port de Pasaya et il faut que je prenne un petit bateau pour aller de l'autre côté qui est là-bas. Arrivé à San Sebastian, eh ben, la culture espagnole a l'air quand même assez différente de la culture française. C'est vraiment pas mal. Il y en a plusieurs sur la route, j'en ai vu hier. Ça faisait super plaisir. C'est de l'eau potable, c'est des sources d'eau en fait, qu'ils mettent le long de la route. Ce matin, j'ai rencontré trois autres pèlerins. Deux gars, deux espagnols, une femme anglaise qui parle espagnol, sur la route juste après Saint-Sébastien. La nuit dernière était vraiment bien parce qu'il faisait bon, un peu de vent, donc la tente est sèche. Et je viens de voir la plus grosse limace de ma vie, à peu près 20 cm de long. Il y en a tout du long en fait des limaces depuis que j'ai commencé à marcher. C'est marrant non, parce que en fait, 787 km pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et avant il y avait un panneau, c'était 875. C'est la route, je crois, quelque chose comme ça. Donc en fait j'ai réussi à passer des bas. Et ma tente est vraiment sur le seul petit coin à peu près plat qui se trouve sur le chemin. Donc là j'arrive presque sur Olatz, après des bas. Je viens de faire pour l'instant ma plus grosse grimpée. Alors ça c'est les bornes espagnoles. Et là, normalement, faut que je passe par là. Comme il casse la montagne là-bas! Je suis à Marquina Jemehin. Donc, en fait, j'ai rencontré pas mal de pèlerins ce matin. Je crois que c'était 7 ou 8. Deux Allemands, 4 Français, même une marcheuse qui marchait avec son ânesse depuis mai dernier. Ouais, donc c'était la plus grosse journée pour l'instant. J'ai pas fini, j'ai envie de continuer, un gros bout, mais ça monte et j'ai dû prendre en fait la route des cyclistes plutôt que de passer par la voie piétonne. Mais ouais, assez costaud quand même, mais je suis assez surpris de mes capacités physiques, donc c'est bien, je vais voir ce que je peux encore faire aujourd'hui. Alors si par mauvais temps je pouvais trouver une église avec un grand préau comme ça là-dessous, ce serait vraiment super. Superbe couleur d'automne. Et ça, c'est un monastère où en fait j'aurais pu rester pendant la nuit. J'ai eu un très joli tampon, c'est bien. Bon, la fin de journée est un peu moins top. Je viens de marcher à peu près 1 km sur cette route, jusqu'à enfin pouvoir trouver les flèches jaunes. Et puis en volant 2 kiwis, je me suis agenouillé dans les orties, ou dans les ronces. Donc faut que j'enlève les épines, j'ai déjà commencé. Et puis mon sac à dos a eu un petit problème. Ça a pété de là, donc ce qui fait que je peux pas attacher ce truc là. Donc un peu de réparation ce soir dans la tente. Je suis en train d'installer ma tente dans les bois et j'ai des petites curieuses là. Matin humide, petites averses pendant la nuit et j'ai pu réparer mon sac à dos la nuit dernière. Eh bien donc je suis à Guernica. Et ouais. Donc j'ai fait tamponner mon crédencial, je me suis acheté un tout petit peu de bouffe pour maintenant
Et j'étais persuadé en fait qu'on était dimanche aujourd'hui, alors qu'en fait on est samedi, donc j'avais déjà changé d'heure la nuit dernière. Bon, je sais pas quel est le nom de ce petit patelin, mais je dois être à peu près une vingtaine de kilomètres de Bilbao, peut-être un peu moins. Et mon corps me demande de faire une petite pause. Comme mentionné, je fais sécher la tente. Le robinet qui est là-bas, j'ai lavé mon t-shirt qui est là, que je vais reporter sur moi. Je mange bien. Et du chocolat Milka. Voilà, c'est la vue sur Bilbao, d'en haut. Probablement pas la meilleure vue. Là, je descends par la route qui est par là. Oh, la belle église. Et aussi, voilà, c'est un plan de la ville. Donc moi, je suis ici. Et en fait, là, je vois tout le parcours que je dois faire dans la ville avant de pouvoir sortir. En fait, je suis ces balises depuis l'entrée jusqu'à la sortie de la ville de Bilbao. Bon, c'est ma première expérience comme ça, mais j'ai demandé dans une boulangerie un peu de pain gratuitement pour un pèlerin. Voilà, donc je suis un petit peu à la bourre aujourd'hui. J'ai mis ma tente là hier soir, qui est en fait ce bâtiment, c'est une albergue pour peregrinos en donativo. C'est, en fait, on donne un peu ce qu'on veut, si on peut. Et en fait, j'avais une super vue hier soir sur toute la ville. Donc en fait là tu vois là, puis là il y a le stade de foot qu'on voit juste à côté là-bas, puis il y avait un match qui se jouait hier. Donc oui, je suis à la bourre, parce qu'il a fallu que je répare mon sac, j'avais les coutures ici qui commençaient à péter. Encore du pain gratuit. Mes dépenses en termes de bouffe sont quand même un peu plus importantes que ce que je pensais. Là en fait je viens encore de réessayer de demander un peu de pain gratuitement. On m'a donné ça, donc du pain, du fromage et puis un peu de chorizo. Donc c'est quand même sympa, hein. Portugal était. Je suis à côté de Pobeña, direction Cobarón, qui est à peu près à un peu moins de 4 km. J'ai fait 32 km pour l'instant, et sur quasiment 95% de bitume. Je change de province en Espagne, des Pays Basques, à Cantabria. J'arrive tout juste à Gastro Urdales, et j'ai assez de lumière pour normalement le passer avant la nuit. Et là, en fait, sur le poteau, on peut voir, c'est le genre de marque qu'il y a en Cantabria. Donc en fait, il n'y a plus ce superbe petit plot en bois. Il va flotter aujourd'hui. Il flotte un peu aujourd'hui. Là, il n'y a rien pour l'instant, c'est très bien. J'ai passé la nuit dans une albergue et ça ronfle. Donc c'est un petit peu chiant. J'ai bien fait l'expérience de la pluie ce matin. Et ouais, et ben c'est pas marrant. Et mes pompes, à mon avis, elles vont mettre 3 bonnes semaines avant de sécher. Et ça, c'est l'arrêt d'eau. Et donc, je devrais prendre un petit bateau pour aller de l'autre côté. Je sors à peine de Santonia et que je vois déjà Argonios ou Beria. Entre 50 et 55 km aujourd'hui. En voulant planter ma tente après Nora. Je suis passé un couvent. Je voulais mettre la tente derrière le couvent sous un abri. La sœur ne pouvait pas m'aider, mais en fait, quand je suis parti, elle m'a filé ça, des petits gâteaux. Là, jolie lumière du soleil qui se lève. Et je suis en sandales aujourd'hui pour pouvoir faire sécher aussi mes chaussures et chaussettes sur le sac à dos. En toute logique, tout là-bas, c'est Santander. Là, il nous écarte de la route vers Santander, mais là, je comprends pourquoi avec la vue. Très joli, c'est juste après Gazerno, direction Somo, donc je passe par là. Voilà, direction Santander maintenant que l'on voit là-bas. Ça a coûté 2,80€ l'aller, et hier c'était 2€ pour l'autre petit bateau de merde. Ouais, c'est une ville de bonne taille quand même. Les jolies couleurs du matin, là où j'ai mis ma tente. Et en fait, aujourd'hui, on est le 1er novembre. À mon avis, tout est fermé. Et puis, je suis à mi-chemin, enfin pas à mi-chemin, mais à mi-temps, depuis mon départ jusqu'à mon retour avec l'avion. Ils disent que je suis à 560 km de Saint-Jacques. Et je m'en vais direction Puente Arce. Ma sandale vient de péter il y a à peu près 1 km de ça. Le truc qui relie ça, ici, pour refermer. Donc là, il faut que je trouve un moyen pour la réparer. Voilà, c'est réparé. Je vais tester, on va voir si ça va tenir. Ma sandale tient le coup. Et mon sac à dos aussi. Appelez-moi MacGyver. Fuente del Peregrino. Pour remplir l'eau. Bon, je suis à Santillana del Mar. Apparemment, c'est comme ça que ça s'appelle. Je vais essayer de faire tamponner mon crédential et puis continuer ma route sur Comillas. Attends, c'est carrément beau comme endroit. Super médiéval.
Ça aussi c'est joli, surtout avec les montagnes dans le fond, c'est probablement ce que je vais devoir passer. Cobreces. Non, ici c'est Cobreces. Avant c'était Alfos de je sais pas quoi. Bon, je suis parti un peu trop tôt. Bon là le jour se lève un peu plus, c'est bien, mais avant j'arrivais pas à voir les balises. Donc là j'ai fait une petite pause caca et puis là je repars. Alors c'est de ça dont je parlais. Pour pouvoir tamponner son propre crédencial. Ouais, ça c'est bien. Bueno. Voilà, c'est en m'en allant sur San Vicente. Par là. Et ça, c'est San Vicente. Franchement, je regarde ces montagnes dans le fond là, avec une sensation de souffrance, parce que je vais devoir passer par-dessus. J'ai demandé à choper 2-3 poires dans un poirier blindé, et ben c'est sympa. Bon, faut que je me dépêche à aller au prochain patelin, parce que ça va me pleuvoir sur la gueule. Eh bien, je me demande si on veille sur moi, mais en tout cas, je viens de trouver ce petit abri super sympa, je vais mettre ma tente dessous, ça va être très bien contre la pluie. Apparemment, la pluie de la nuit est passée, donc je retire le poncho. La petite bête est encore vivante. Andrin. Voilà, et la ville là-bas au loin, ça va être Yarnes. À Yarnes, donc j'ai eu du pain et du jambon. Bon là, faut que je prenne une minute quand même pour dire quelque chose. Voilà, donc en fait, je suis à Cueres, qui veut dire corne en espagnol. Je suis dans une maison de personnes qui en fait accueillent des pèlerins, et c'est en fait sur Donatibo. Et c'est un couple d'Allemands. Et en fait, j'ai eu ce plan, parce que c'est pas du tout dans la liste des auberges de pèlerins. C'est un vieux monsieur que j'ai rencontré juste après Yanès qui me dit il faut que si tu peux t'arrêter à Cueres, c'est sur Donatibo et c'est vraiment très bien. Je traverse Riba de Sella, et même si la nuit dernière fut absolument excellente, je n'ai pas donné le moindre de mes pécules. Surprenamment et bien heureux, la pluie n'est pas encore là. Mais ça s'annonce un petit peu menaçant quand même. Je suis quand même assez curieux de savoir ce que c'est que ces petits bâtiments. J'en ai vu pas mal. Ça me fait penser à ce qu'ils ont en Russie pour garder la bouffe et c'est surélevé pour les protéger contre les animaux. Mon petit poncho, très utile maintenant. Bon voilà, donc je suis à Villa Vicchiosa, qui est en fait là où les chemins se séparent. Camino del Norte, que je suivais jusqu'à présent, et Camino Primitivo, que je vais prendre maintenant. Il faut juste que je le trouve là. Et j'en profite pour prendre un petit déjeuner en attendant que la pluie cesse un petit peu. Voilà, c'est ici que se trouve la jonction. Oviedo, Gijón. On a commencé à grimper sur un sentier bien trempé. Alors ça c'est la cathédrale d'Oviedo. Et c'est apparemment l'endroit officiel où les chemins se séparent, Camino Primitivo, Camino de la Costa. Donc, bonne nuit à l'auberge des pèlerins de Oviedo, qui était en fait au séminaire. C'est juste ça en fait. Bon alors là, je suis à Grado, qui est à peu près à 24 km de Oviedo. Et je suis épaté par ma récupération physique de la nuit dernière, parce que hier c'était assez dur, je pensais pas que j'allais être aussi bien ce matin. Et maintenant, je vais manger ça pour pouvoir continuer. C'est le monastère de Cornellana, qui est en rénovation. Je suis dans un village qui s'appelle, je crois, Quintana. Et c'est à peu près à 5 km de Salas. Et je suis là exprès parce qu'il y a une église et j'ai toujours voulu mettre ma tente sous un de ces préaux depuis que je les ai vus. Donc je vais m'installer juste là-bas devant la porte. Je suis à Salas et c'est à partir d'ici que les montagnes devraient vraiment commencer à monter. Ça à mon avis c'est un peu des conneries. Très belle vue sur les montagnes et il semblerait bien qu'il y ait de la neige sur les sommets dans le fond. La pluie est pas méchante aujourd'hui, ce qui donne l'occasion de voir de jolies choses. Alors je suis le dernier à partir aujourd'hui. Et je pense que ça va être la journée la plus difficile de mon camino. Parce que donc on attaque des montagnes un peu plus hautes. Il va pleuvoir. Et il se peut que je fasse 50 bornes. Mais je vais probablement réduire à 35. Et puis mes pieds ne sont pas complètement bons. Ça me fait un peu mal et je vais perdre aussi un ongle. Probablement deux à la fin du camino. Cette journée va être inconfortable, elle me terrifie un petit peu. Première fois, et j'espère la dernière fois que je mets pantalon et mon haut imperméable, mais pour l'instant tout est bon. J'ai décidé de prendre la route qui s'appelle Los Hospitales plutôt que Pola de Allende
qui part en fait de Borès et qui va jusqu'à la Messe, un truc comme ça. Et ça en fait, c'est la vue, ça monte plus, mais c'est un peu plus court. Là-bas, c'est les ruines, comme là, de l'hôpital de Fanfaron, qui devait être un hôpital de pèlerins. Il y a un peu de neige au sol, un chouïa. Regarde. Je ne fais plus vite que ça. J'en chie un petit peu quand même. Bon, je suis pour l'instant tout seul dans la albergue à Messa. Et je viens d'enlever mes chaussures et chaussettes. C'est moins pire que ce que je pensais. Alors, 2 km après la Messa, il y avait un panneau avec une déviation parce qu'à cause de feux de forêt qu'il y avait eu en avril 2017, et en fait, j'ai choisi de prendre la déviation. Donc en fait, qui est 2 km de plus, mais qui est plus sûr, et puis c'est du... voilà, le chemin est un peu plus sympa. Et ça, c'est le barrage de Salimé que je m'apprête à passer. Je suis à Grandas de Salimé, et ça, c'est le petit préau d'église le plus sympa que j'ai jamais vu. Ça, là, un petit clocher bien original. Je crois que dans certains villages où passe le Camino, les gens laissent des bouteilles d'eau pour les pèlerins. Donc je viens de remplir ma bouteille. Bon, bah alors j'entre en Galice. Et voilà. Les blocs de signalisation en Galice sont quand même pas mal. Et je suis à 166 bornes de Saint-Jacques. Mission accomplie pour la journée. Je suis à Afonsagrada et j'attends juste d'aller à l'auberge. Alors Afonsagrada, c'est définitivement l'auberge la plus... propre et big et 6 euros. Je crois que ce patelin c'est Paradevella et c'est à 141 km de Saint-Jacques. Je viens de faire la plus méchante ascension de mon Camino pour l'instant. Je suis à l'Astra et je m'en vais par là. Je m'étais clairement trompé hier quand je disais que c'était un des derniers plus hauts sommets que j'allais prendre, ou le dernier, parce que ça monte encore un petit peu. Hein. Petit abri sympa pour une pause déjeuner. Voilà, les montagnes sont passées. Je m'en vais direction Lugo, mais j'y arriverai uniquement demain matin. Je planterai ma tente un peu avant ce soir. Je suis en train de me faire un nid pour la nuit. Poser la tente dessus. Je suis à Lugo, et en dehors de la muraille, c'est pas très joli comme ville. Alors Lugo est à peu près à 100 km de Saint-Jacques. Là maintenant, il faut que je trouve donc l'office du tourisme et que je fasse tamponner mon crédentiel. C'est à partir de 100 km qu'on doit avoir au moins 2 tampons sur son crédentiel pour pouvoir avoir la Compostela, qui est l'espèce de diplôme des pèlerins. Et là, on part de Lugo. Elle est belle cette pierre. Je me demande si c'est pas la mémoire de quelqu'un. J'aime ces petites fontaines pour remplir la gourdasse. Je viens juste de mettre mon tampon sur mon crédentiel. C'est que du bitume depuis Lugo. Et j'ai fait mes emplettes à Lugo, j'ai bien dû rajouter les 3 kilos que je sens sur mon dos. J'oublie toujours de dire que le chemin nous fait passer dans des tout petits villages, vieux villages, qui sont vraiment très très sympas, une toute petite ruelle. Et bon, celui-là n'est pas top top, mais dans les Asturies, c'était vraiment sympa. On a aussi finalement du chemin quand même. Bon, je suis en train de débuter cette bornée. Je veux passer la borne des 63 km avant de planter la tente. Donc voilà, ça m'est en train de me faire grimper. Bon, ça va. Et en plus, j'ai une super vue. Mais je suis un peu crevé quand même. Eh bien, je suis à la borne 63 km 991. Et j'ai trouvé ce petit endroit parfait pour pouvoir planter la tente. Et je crois que j'ai de l'eau pour me laver les pieds. Donc j'irai pas plus loin ce soir. Ouais, là, faut vraiment que j'ai un peu trop forcé aujourd'hui. Et c'est surtout à cause des chaussettes. Parce que les chaussures étaient aussi encore mouillées. Donc ça fait des choses pas jolies, il faut que je me lave les pieds. Départ avant l'aube pour une dernière grosse journée. Alors sans que je me rende vraiment compte, je suis à Melide. Et Melide est en fait l'endroit où se croisent le Camino Primitivo et le Camino Frances. Et j'ai envie de faire pipi. Je suis quand même un sacré con parce qu'en fait j'achète encore de la bouffe. Donc je vais être encore plus lourd. Je fais une petite parenthèse pour dire que tout au long du chemin en fait, sur les bornes, sur les murs, sur les balises, il y a des trous du cul qui s'amusent en fait à écrire des conneries en anglais, en espagnol, comme sur le tableau derrière moi là. Je trouve ça un petit peu con
Et puis c'est un peu chiant, ce serait bien de garder le truc quand même propre. Je viens de passer Arzoua, qui est l'une des dernières étapes avant d'arriver à Saint-Jacques. Et en fait, pour la première fois, j'ai vu le panneau Santiago, le panneau de route nationale qui indique d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du tourisme de Saint-Jacques, étant donné que là, c'est en fait, je crois qu'Arzoua est là où l'endroit où connecte aussi le chemin du Nord. Donc du coup, ce qui fait qu'il y a énormément d'auberges, de restaurants et tout ça qui sont basés sur le tourisme du Camino. Mais par contre, sur tout le long, enfin sur tous les Caminos, mais surtout ici, les gens, quand même, ils doivent être saoulés de voir tous les pèlerins passer chaque année. Et là, il faut que j'aille faire caca dans les bois. Qu'est-ce que j'ai pu en passer comme pèlerin depuis ce matin? 29 km. Il pleut! Et ça m'agace un petit peu quand même. Surtout pour mes chaussures. À 12 km de Saint-Jacques. Je suis dans cette grande albergue à Monte Negozo. Donc, ce qui est très bien, c'est que c'est à 5 km de Saint-Jacques. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'ai marché 58 km. On va voir ce que ça donne pour les pieds. Donc, ça doit pas être bien joli. Il y a du sang. Ouais. Celui-là, pas trop mal. Jour J. Donc je vais arriver à Saint-Jacques dans à peu près une heure. Il fait super beau, un petit peu de vent. Tout au loin là-bas, je vois la cathédrale de Saint-Jacques. Alors ça c'est le bureau des pèlerins où on fait tamponner son crédential. Voilà, ici, ça c'est ma Compostela. Et ça, c'est en fait le ticket pour pouvoir avoir mon repas de pèlerin à l'hôtel Le Parador qui est juste à côté. Voilà, alors je viens de planquer mon sac juste là, dans cette église, parce que je ne peux pas rentrer dans la cathédrale avec mon sac. Les chemins, comme ceux de Saint-Jacques, sont des voies remplies d'épreuves qu'il faut braver. Le plus vaillamment elles le sont, le plus méritoire et paisible en sera l'aboutissement. C'est ainsi que je voyais cette odyssée. Il me fallait sentir des affres, les dominer, me lancer avec détermination et les passer, et en devenir plus fort physiquement et mentalement. Sans cela, ces épreuves n'en sont pas vraiment. Il n'y a qu'un sens où aller, toujours de l'avant. Ça, c'est le Parador Hotel. La cathédrale est en réparation, mais il y a de l'esprit, c'est sûr, mais c'est extrêmement touristique, et puis c'est pas vraiment ce que je recherche non plus. Donc aller sur Muxia et Fisterra sera beaucoup plus intéressant, puis après descendre sur Porto. Je commence à avoir un petit peu d'œdème dans mes jambes parce que je me suis arrêté de marcher, et mon sac à dos est toujours caché là-bas, donc c'est très bien. Alors c'est par cette petite door derrière moi qu'en fait un portier devrait ouvrir, et puis donc je vais pouvoir aller avoir mon repas. Minas Gerais. Are you gonna walk? Yeah. Le déjeuner des pèlerins était vraiment vraiment bon, vraiment sympa à bouffer. Maintenant, ça c'est là où je vais. Fisterra, Muxia. Petit déjeuner de vainqueur. Couscous au muesli. Je suis pas sûr de savoir où je suis là. Peut-être Punta Maceira. De Negreira, il y avait un chemin alternatif pour aller jusqu'à Zas et après continuer sur le chemin Finistère. Ça va, le marquage était assez à chier, donc au début ça allait, puis après plus de marquage, donc je me suis paumé. Je suis arrivé dans ce tout petit bled, j'ai demandé à une vieille dame quelle était la direction de Zas, elle m'a dit il faut retourner dans la forêt, j'ai dit non. Donc je vais prendre la route principale, et puis étant donné qu'il y a plusieurs chemins alternatifs sur le Camino de Finistère, je vais pas les prendre, je vais juste rester sur l'officiel. J'ai demandé mon chemin à plusieurs personnes, ou des personnes qui m'ont aidé. Ils m'ont tous dit qu'en fait le chemin alternatif était très mal indiqué en forêt. Donc là j'arrive sur cette route, je trouve cette borne, je vais la suivre, je ne prends plus de chemin alternatif et je suis le chemin officiel. Pourquoi faut-il toujours que ça monte en fin de journée? J'ai passé un super moment dans cet albergue à Olveiroa.
Voilà, c'est à partir de là qu'en fait les chemins se séparent. Muxia à droite, Fistera à gauche. Je vais par là, je reviendrai par là. Listo, venia. Je viens d'acheter du pain et un croissant. Je me suis demandé ce qu'étaient ces cahutes ici. Celle-là, il y en a un peu partout en fait en Galice. Et c'est en fait pour entreposer la bouffe pour l'hiver. Et on revoit la mer. Je me demande si c'est ça, Muxia. Oui, c'est ça, je suis à Muxia. Et là, on s'en va sur Fistera. Et ben voilà, je viens de trouver mon abri pour la nuit. C'est vraiment impeccable. Et voilà, Fistera. Là, on s'en va direction le phare. Cap Finistère a été le bout du monde connu pour les pèlerins du Moyen-Âge. Et là, c'est le phare. Il aura fallu en faire des foulées pour en arriver jusqu'ici, de Trélière jusqu'à Cap Finistère. Fistera s'en est allé pour Santiago à retrouver. On sort de C et on peut voir juste là-bas la lumière du phare de Fistera. A partir de là, je retourne sur mes pas. Hey. Je suis déjà passé par là. Compléter mon deuxième pèlerinage avec mes tampons, avec mon premier Compostela, le Fisterana, le Muxiana et mon deuxième Compostela que je viens d'obtenir. Je suis sur le Camino Portugais depuis avant-hier. Là, j'ai pris du retard parce que après Padrón, en venant de Saint-Jacques, les balises sont beaucoup moins visibles. Donc, il a fallu que je demande mon chemin après m'être paumé plusieurs fois. Psychologiquement et physiquement, ça mine un petit peu. Et je boite un petit peu la jambe gauche parce que j'ai une ampoule qui revient à force d'avoir bourré hier pour pouvoir passer Ponto Verde, que j'ai réussi à faire, mais même s'il faisait noir, planter la tente, passer la nuit. Donc là, je pense que ça va être très difficile d'arriver à l'aéroport sans avoir à prendre le bus. J'ai pris la décision de ne pas pousser pour faire les 50 km par jour comme prévu pour pouvoir arriver à pied à l'aéroport de Porto, mais plutôt de prendre mon temps, de méditer un petit peu sur l'odyssée que je viens de faire, faire un peu de stop pour arriver sur Tui, passer la frontière demain matin, à pied sur le Portugal, descendre, marcher un peu au Portugal, et puis probablement prendre un bus ou faire du stop pour aller jusqu'à l'aéroport et arriver la veille de mon départ en avion pour rentrer sur Nantes. Je suis à Tui et d'une certaine manière j'ai fait du stop pour venir jusqu'ici en passant par Agarda, un petit village sur la côte. Je suis en train de passer le pont international entre l'Espagne et le Portugal. Voilà, là je marche gentiment vers Ponte de Lima, dernière étape que je fais. Et demain matin je ferai du stop vers Braga et ensuite prendre un train vers Porto et ce sera vers l'aéroport. Dans un moment d'agacement, j'ai cassé mon bâton. Avec ce bâton, j'ai fait plus de 1700 km. Je l'ai raccourci d'à peu près 5 à 6 cm. Il m'a sauvé la vie plus d'une fois. Je vais arriver à Ponte de Lima, dernière étape que je voulais faire. Je voulais l'emporter avec moi en France. Il ne passe pas dans l'avion. C'est ici que je vais lui dire adieu, alors que j'aurais voulu le laisser à Porto, soit dans la cathédrale, soit dans un parc. Mais c'est ici, avec ses copains des bois, que je vais le déposer. Voilà, c'est là que nos chemins se séparent. Ponte de Lima. Dernière auberge, et au Portugal, elles sont splendides pour seulement 5 euros. Faire du stop. Braga. Train. Vers. Porto. J'ai grandi en jouant dans cette partie infime du chemin. C'est désormais avec un regard différent que je verrai ce sentier, s'étirant de mes foulées qui, jour après jour, battaient vers le sud.